Alors cette fois, on part sur un roman policier de Fred Vargas. Temps glaciaire a reçu en 2015 le prix Landerneau. Et pour vous raconter très rapidement le résumé, on retrouve le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg qui va mener l'enquête sur évidemment des meurtres. Mais alors là, c'est très particulier. On sort en fait des arrondissements de Paris et l'enquête nous mène très loin dans le Grand Nord, jusqu'en Islande, avec ses brumes et ses mystères. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé particulièrement ce roman-là dans toute la saga de Fred Vargas, parce que d'une, on sort en effet de l'habituel titi parisien, arrondissement. On va vraiment dans les contrées sauvages de l'Islande, avec les légendes, les fjords, toute l'ambiance en fait un peu glacée de ce pays, cette île isolée, et qui correspond tout à fait en fait au caractère du personnage principal, Adamsberg. Et Fred Vargas va aller un petit peu plus loin dans la description de la relation entre le commissaire et son fidèle lieutenant, et va crisper un petit peu cette relation, tout comme en fait ce paysage de glace qui se fissure. Donc c'est vraiment, ça change en fait de ces derniers romans. Et on aime parce que Fred Vargas a toujours des enquêtes très complexes, mais en même temps, elle a une écriture d'une précision infaillible. Et c'est un excellent roman à lire au coin du feu, tranquillement le week-end.